2011, la 3DS a accueilli un nouvel épisode d'une vénérable série de Sega, Shinobi. Référence incontournable du jeu vidéo de Ninja aux côtés de Ninja Gaiden, la saga Shinobi méritait bien un Retro & Magic. Shinobi débarque en arcade en 1987 et s'impose immédiatement comme un classique du jeu d'action. Le joueur y incarne Joe Musashi, un ninja du clan Oboro, dans un futur proche où une technologie futuriste côtoie l'imagerie du Japon féodal. Une organisation criminelle nommée Zid a kidnappé les enfants du clan Oboro et les retient en otage. Joe Musashi part donc en croisade pour sauver les enfants et vaincre l'organisation Zid et son chef, le mystérieux ninja masqué. Shinobi est un jeu d'action en scrolling horizontal reposant sur un principe simple. S'il est à distance des ennemis, Joe lancera des shurikens, et s'il est proche, il donnera un coup de katana. Joe peut aussi déchaîner sa magie pour éliminer tous les ennemis présents à l'écran, mais cette technique ancestrale ne peut servir qu'une fois par niveau. Il peut également sauter et s'accroupir pour éviter les attaques ennemies, ce qui est vivement recommandé vu qu'une seule attaque ennemie suffit à lui ôter la vie. Enfin, chaque niveau se déroule en général sur deux plans, et le joueur peut passer de l'un à l'autre en maintenant le joystick vers le haut avant de sauter. Le but du jeu est de délivrer tous les otages, puis d'avancer jusqu'au boss, et cela tout au long des 5 niveaux du jeu. Shinobi sera porté sur de nombreuses machines, à commencer par la Master System, mais aussi sur PC Engine, Amiga, Atari ST, Commodore 64, CPC et ZX Spectrum. Il existe même une version NES, développée par Tengen, mais cette version est assez ratée. La suite de Shinobi sort en 1989 et porte le nom Shadow Dancer. On y incarne cette fois-ci Hayate Musashi, le fils de Joe, aux prises avec une nouvelle organisation terroriste. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de sauver des otages, mais de désamorcer des bombes. Hayate a également accès à des magies différentes selon le niveau. Mais la principale nouveauté de Shadow Dancer est la présence du chien Yamato, que le joueur pourra envoyer pour immobiliser les ennemis. Un compagnon canin tellement cool qu'on ne peut que regretter de ne pas l'avoir retrouvé par la suite. En 1991, Shadow Dancer sortira également sur Mega Drive avec le sous-titre The Secret of Shinobi. Si l'on retrouve les bases du gameplay, il s'agit d'un jeu totalement différent. La Master System aura droit à un deuxième épisode de Shinobi exclusif en 1990, The Cyber Shinobi. Zid a à nouveau refait surface sous le nom Cyber Zid. Pour affronter cette increvable organisation, le joueur se glissera dans la peau du petit-fils de Joe Musashi, qui se trouve s'appeler lui aussi Joe. Plein de bonne volonté et distrayant, The Cyber Shinobi est néanmoins l'un des épisodes les plus faibles de la saga à cause d'un gameplay un peu rigide et surtout d'une interface envahissante qui mange un tiers de l'écran. Joe Musashi, premier du nom, fait son grand retour en 1991 sur Mega Drive avec The Revenge of Shinobi, sans aucun doute l'un des épisodes les plus mémorables de la saga. Quelques années après la défaite de Zid, l'organisation maléfique s'est reformée sous le nom Neo-Zid et cherche à prendre sa revanche sur le clan Oboro. Durant l'attaque, le maître ninja de Joe est assassiné et sa fille Naoko, la fiancée de notre héros, est enlevée. Le Shinobi doit donc reprendre du service pour éradiquer Neo-Zid et sauver sa promise. D'ailleurs, si le joueur est trop lent à vaincre le boss final, la malheureuse finira écrasée par le plafond de sa cellule qui descend inexorablement. C'est moche. The Revenge of Shinobi est beaucoup plus orienté plateforme que son prédécesseur et comporte quelques différences notables. Il n'y a plus d'otages ou de bombes à désamorcer et la palette de mouvements de Joe a été étendue. Le mouvement le plus important est sans aucun doute le saut périlleux qui permet à Joe d'envoyer une volée de shurikens en arc de cercle, technique essentielle pour triompher des passages les plus ardus. Joe a également affiné sa technique puisque le joueur pourra choisir entre 4 magies différentes, chacune ayant son effet propre et son intérêt de gameplay. Certains niveaux conservent le principe des deux plans en hommage au premier Shinobi. Petite note pour finir, il semble que les développeurs du jeu étaient fans de comics et de films à grand spectacle, puisque le jeu comportait des ennemis et boss inspirés de Spider-Man, Batman, Hulk, Rambo, Terminator ou encore Godzilla. Cela leur posa d'ailleurs quelques problèmes de droit et les sprites de ces personnages durent être modifiés lors des réassorts du jeu. Tandis que Shinobi cartonne sur Mega Drive, une version Game Gear des aventures du célèbre ninja voit le jour sous le nom de GG Shinobi. Se posant dans la continuité de The Revenge of Shinobi, cet épisode Game Gear se démarque par sa structure ouverte. Il est en effet possible d'effectuer les niveaux dans l'ordre de son choix. Au fur et à mesure de sa progression, le joueur débloquait d'autres ninjas du clan Oboro, chacun étant identifié par une couleur propre et possédant une attaque différente. Un système qui n'est pas sans rappeler la série Mega Man.
Un an plus tard, un deuxième épisode sort sur Game Gear, reprenant exactement le même principe. Il s'agit une fois de plus d'un excellent jeu sur la portable de Sega. Musashi devra à nouveau se mesurer à Neo Zid dans Shinobi 3 Return of the Ninja Master sur Mega Drive. Deux ans après sa défaite, le syndicat du crime réapparaît encore et toujours. Mais cette fois-ci, son véritable leader, connu sous le nom de Shadow Master, a décidé de prendre les choses en main. Pour Musashi, c'est l'occasion d'en finir une fois pour toutes. Plus nerveux, plus rapide que l'épisode précédent, Shinobi 3 est certainement l'un des plus beaux jeux de la Mega Drive. La qualité graphique du jeu impressionne encore aujourd'hui, à l'image de ces niveaux où Musashi affronte les hordes ennemies sur un cheval au galop. C'est vraiment la classe. Il s'agit encore une fois d'un grand jeu Sega sur 16 bits, considéré comme l'âge d'or de la société et peut-être le tout meilleur épisode de Shinobi. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir vu en 1992 dans la presse vidéoludique des tests d'un jeu baptisé The Revenge of Shinobi 2. Ce jeu a bien existé, mais n'est en réalité jamais sorti. Sega n'était en effet pas satisfait de ce titre et décida de lui consacrer un an de développement supplémentaire. Le jeu final bien différent sera Shinobi 3. La saga Shinobi revient sur Saturn en 1995 avec Shinobi X, alias Shin Shinobi Den, au Japon. Cet épisode n'a aucun lien scénaristique avec les aventures de Joe Musashi et ses descendants. Toujours dans ce drôle d'univers mi-contemporain, mi-médiéval, Shinobi X narre le conflit opposant deux frères ennemis, Sho et Kazuma. Passé du côté obscur du ninjutsu, Kazuma convoite les techniques secrètes que Sho a apprises et a enlevé son ami d'enfance Aya pour l'attirer dans un piège. Le joueur contrôle Sho et va devoir affronter les armées de Kazuma pour sauver Aya et mettre un terme aux ambitions diaboliques de son frère. Le gameplay de Shinobi X est très proche de celui de Shinobi 3, mais ne parvient pas complètement à renouveler la formule magique. Shinobi X place également davantage d'emphase sur le combat au sabre. Shurikens et coups d'épée sont désormais assignés à des boutons différents, ce qui change beaucoup la manière d'aborder les combats. Le jeu surprend également par son style graphique avec des sprites basés sur des acteurs filmés à la manière de Mortal Kombat. La narration s'effectue également au travers de scènes filmées gentiment kitsch. La version européenne possède une particularité. Sega of Europe n'aimait pas du tout la musique du jeu et a donc choisi de refaire entièrement la bande-son. C'est Richard Jack, compositeur connu pour son travail sur différents titres de la saga Sonic ou plus récemment sur la série Mass Effect, qui se chargea de composer les nouvelles musiques en s'inspirant du style fédérateur de Koshiro Yuzo, compositeur des épisodes Mega Drive. Une fois n'est pas coutume, la musique de la version européenne est considérée comme supérieure à l'original japonais. La série Shinobi est revenue sporadiquement sur nos consoles, notamment dans deux épisodes en 3D sur PS2 intitulés Shinobi et Nightshade. Quant à l'épisode 3DS, très fidèle au gameplay précis et sans concession des versions Mega Drive, il met en scène le père de Joe Musashi, Jiro.